Donc voilà, j'ai fini donc mes 16 cm comme vous voyez, des deux côtés. Et j'ai deux parties, chacune pour ma part, chacune sur son aiguille. Vous, vous avez peut-être les deux parties sur la même. Et si elles se suivent, tant mieux, vous ne devez rien faire à part reprendre votre tricot normalement. Si elles sont mises comme ceci, donc vous en avez une qui s'enroule sur elle-même, alors il va falloir utiliser soit votre épingle à nourrice, soit une troisième aiguille pour pouvoir remettre vos mailles correctement dessus. Dans le cas où vous avez vos mailles qui se mettent comme ceci, vous allez devoir effectivement un petit peu chipoter pour pouvoir tout remettre correctement et pouvoir reprendre votre travail. Moi ici, ça tombe juste bien parce qu'évidemment ça se suit. Donc je prends juste une troisième aiguille pour pouvoir tricoter correctement. Troisième aiguille évidemment de la même taille. Donc moi c'est le numéro 7. Je vais prendre la même taille que mes deux autres aiguilles. Si vous n'avez pas de troisième aiguille, vous pouvez simplement utiliser votre épingle à nourrice pour remettre toutes vos mailles correctement à la suite l'une de l'autre sur une seule aiguille et puis reprendre votre tricot normalement. Faites juste bien attention que les mailles qui sont ici au milieu doivent être l'une à côté de l'autre. Vous devez reprendre votre travail dans le même sens pour que ça ait une logique. Si évidemment vous remettez vos mailles comme ceci avec votre bord au milieu, vous allez commencer à tricoter ici par le bout de votre travail, enfin par le milieu en fait, et ça ne ressemblera à rien et vous aurez un souci évidemment parce que vous n'aurez pas d'ouverture ici. Donc, faites attention à bien les remettre. Moi, je prends donc cette fameuse troisième aiguille et alors la première partie de mon travail. Ma première partie, je la sélectionne parce que son fil ressort ici au début, là où il y a le bord. Sur mon autre partie, mon fil est au milieu. Si vous avez bien repris ici au milieu, si vous avez bien repris votre travail dans le sens dans lequel il était tricoté, alors normalement, vous avez vos fils comme moi qui arrivent tous les deux du côté droit de votre ouvrage ou tous les deux du côté gauche. Vous n'en avez pas un tout à fait à droite et un tout à fait à gauche ou tous les deux au milieu. Donc voilà, si toutefois vous les avez tous les deux tout à fait à droite ou tout à fait à gauche ou alors au milieu, c'est pas grave, pas de stress. S'ils sont tous les deux au milieu, vous les gardez comme ils sont là et vous venez avec un troisième fil pour commencer ici. Vous allez du coup devoir refaire un nœud ici au début et puis ici au milieu faire un nœud avec les deux fils qui pendent pour pouvoir les fixer. Et puis vous reprenez normalement, vous coupez vos deux fils qui sont ici au milieu et vous continuez à tricoter normalement. Donc ça c'est pas un souci. Si vous avez vos deux fils qui ressortent donc à un gauche et à un droite, pas de stress non plus. Parce que vous pouvez simplement réutiliser donc le fil qui ressort du côté du bout de votre aiguille. Vous tricotez toute cette partie-ci. Vous passez à la deuxième partie, vous la tricotez entièrement. Et quand vous arrivez ici au bout, vous faites un nœud avec le fil qui pend ici et l'autre fil avec lequel vous êtes en train de tricoter. Le fil qui pend de ce côté-là, vous le coupez. Enfin, vous coupez celui que vous voulez. Ça ne change rien que vous coupiez l'un ou l'autre si vous tricotez dans la même couleur, si vous faites totalement uni. Donc, vous coupez le fil et puis vous continuez votre ouvrage normalement. Donc, pour le cas où vous êtes comme moi, du coup, vous allez devoir faire pareil que moi. Là, vous allez pouvoir avoir l'image pour pouvoir voir comment faire. Pour les autres, vous allez faire presque pareil en suivant les indications que je venais de vous donner. Donc, ce qu'on fait maintenant, simplement, on tricote nos trois mailles en droit. Voilà. Et puis, alors, on regarde notre dessin. Donc, moi, j'ai quatre mailles en droit ici et quatre mailles en vert ici. Comme mon dessin se fait sur quatre rangs, eh ben, je tricote du coup ici à l'endroit les deux premières mailles. Suivi de deux mailles à l'envers. Donc, vous continuez votre dessin tout à fait normalement. Et ce, jusqu'à la fin de cette première partie. Sur vos 26 mailles, si vous faites la taille naissance, 27 pour la taille 3 mois, 28 pour la taille 6 mois et 29 pour la taille 1 an. Donc, une fois que vous avez tricoté ces mailles-là, ça ne va pas être très compliqué. Vous allez simplement récupérer les mailles, les autres mailles que vous aviez mis en attente là tantôt. Voilà. Pour celles qui ont un fil qui pend de chaque côté, vous pouvez commencer par le côté que vous voulez. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Et alors, ici, cette maille-là, ne pas oublier de bien la tricoter dans le bon sens. Donc, vous la tricotez à l'envers.
Vous prenez votre deuxième partie et l'aiguille sur laquelle vous devez, venez de mettre vos nouvelles mailles, donc hein, sur laquelle vous les avez tricotées. Voilà. Et ici, si vous avez tricoté correctement, moi ici j'ai terminé avec une maille envers. Celle-ci doit être normalement tricotée à l'envers aussi. Vous serrez un petit peu, histoire de ne pas perdre votre maille. Ce que vous pouvez faire, hop, je remets mon aiguille dessus. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est venir couper ce fil-là et venir faire un petit nœud. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis venue couper ce fil ici, le fil de ma deuxième partie. Je prends le fil de la première, je rapproche mes deux aiguilles et je viens faire un simple petit nœud. Il ne faut pas trop le serrer, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop lâche non plus. Il doit pouvoir tenir. Hein. Hop. Et puis, vous allez retricoter. Évidemment, votre maille ici va être un petit peu plus serrée. Mais normalement, ça ne se verra pas trop. Comme ça fait partie du col du poncho, normalement, ça devrait être assez discret. Et puis, vous continuez à tricoter normalement. Donc, moi, pour ma part, à moi, ça fait les deux premières mailles. Alors, à l'endroit, les deux suivantes à l'envers. Et ainsi de suite. De nouveau, jusqu'à la fin de votre partie ici. En n'oubliant pas que vous avez de nouveau ces deux mailles de bordure à faire. Donc maintenant, vous allez avoir de chaque côté les deux mailles de bordure et non plus que d'un seul côté. On va défaire les petits nœuds aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à défaire si vous avez des nœuds dans votre pelote comme moi, à les défaire un petit peu. Maintenant, comme vous n'utilisez plus qu'un seul fil, vous pouvez complètement défaire les nœuds qui ont été faits avec ce fil-là. Vu qu'il ne tient plus, ça va être beaucoup plus facile de les défaire. Et vous pouvez enrouler ce deuxième fil et puis le cacher dans votre pelote pour qu'il ne vous dérange plus et qu'il ne vienne plus faire de nouveaux nœuds. Donc voilà, une fois arrivé à la fin du rang, vous allez voir, pas compliqué, on va recommencer comme on faisait au début. Donc, on tourne le travail. Et on recommence exactement la même chose que ce qu'on faisait au début. Donc, nos trois mailles de bordure, donc trois mailles au point mousse, suivies de deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit. Vous faites ça sur quatre rangs et puis vous inversez comme on faisait au tout début, exactement la même chose. Et alors, ce qui est pratique aussi avec ce modèle, c'est que si vous ne voulez pas vous amuser à mesurer toutes les 5 minutes, vous pouvez aussi aller compter au tout début du modèle combien de fois vous avez fait des mailles en droit et combien de fois vous avez fait des petits carrés à l'endroit et combien de fois vous avez fait des carrés à l'envers et faire exactement le même nombre pour cette partie ici au-dessus. Donc, la première partie, juste avant que vous ne sépariez en deux, vous allez compter le nombre de mailles que vous avez fait à l'endroit, combien à l'envers. Et normalement, si vous tricotez de la même manière tout le temps, vous aurez simplement à refaire la même chose. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça vous comprenez ce que j'explique. Je vais d'abord terminer mon rang. Donc ici, comme on a fait le nœud, on a ce petit fil là qui peut peut-être déranger. Il suffit de le tirer un petit peu derrière le travail. Comme ceci. Vous venez tirer dessus. Et puis vous venez tricoter la maille que vous voulez tricoter. Il vous dérangera encore sur quelques rangs, mais vous verrez que une fois que vous en aurez tricoté quelques-uns, 2, 3, ce fil ne vous dérangera plus et on le rentrera à la fin du travail pour pouvoir le cacher. Donc ouais, il ne va pas vous déranger très longtemps, quoi. On arrive donc à la fin de notre rang. On n'oublie pas de faire 3 mailles au point mousse, 3 mailles à l'endroit pour la bordure. Et voilà. C'est important de ne pas oublier ces trois mailles à l'endroit parce que sinon vous verrez très très vite que vous avez fait une erreur. Et moi je trouve que du coup ça devient un peu disgracieux, c'est pas joli. Je trouve que même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il va directement le remarquer. Donc ce que je vous expliquais là tantôt, simplement. La première partie que vous avez fait ici, jusqu'à ce que vous sépariez là, vous avez des petits carrés de mailles en droit, des petits carrés de mailles envers. Moi, je calcule en quinconce, comme ça, je calcule que sur des mailles en droit. Mais donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7,
acceptais un petit peu, on va dire, au niveau des carrés. Parce que j'avais commencé un petit carré ici sur une maille. Donc j'ai un peu plus de 7 carrés. Ici, sur cette partie-ci, je vais tricoter. Et pour ne pas avoir à mesurer, je vais de nouveau recommencer à compter le nombre de petits carrés en maille endroit qui se fait ou en maille envers, parce que le nombre est le même de toute façon. Et une fois que j'arrive à 7, là je prends mon mètre et je calcule pour m'assurer que j'ai effectivement bien les bonnes mesures. Au niveau de vos mesures, le but étant d'avoir un poncho faisant pour une taille naissance 50 cm, pour une taille 3 mois 56 cm, une taille 6 mois il doit faire 62 cm et une taille 1 an 68 cm. Vous allez donc devoir avoir comme mesure complète depuis ici au tout début, donc ici tout en bas, jusque là-bas plus haut, donc là-bas tout en haut. Vous devrez avoir une mesure pour une taille de naissance de 48 cm parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez de nouveau avoir une bordure ici au-dessus comme ici en dessous. Le poncho est totalement réversible, donc c'est exactement la même chose des deux côtés, hein. Donc vous devrez avoir 48 cm au total de la fin de votre aiguille ici jusqu'ici en dessous. Pour la taille naissance, 54 cm pour la taille 3 mois, 60 cm pour 6 mois et 66 cm pour 12 mois. Vous tricotez tout ça, je vous retrouve après. Pour celles qui ont déjà compris le principe, qui veulent pouvoir avancer un petit peu plus vite, une fois que vous aurez fait ce nombre de centimètres nécessaires, vous faites encore 2 cm de point mousse. Ça correspond normalement à peu près à 4 rangs. Je suis donc quasiment à la fin de mon ouvrage ici. Je vais maintenant tricoter 4 rangs de points mousse. Ou, pour celles qui mesurent et qui ne font pas en fonction du nombre de rangs que je fais 2 cm de points mousse. Donc, le point mousse, c'est toutes les mailles tricotées d'office à l'endroit. Vous faites 4 rangs avec que des mailles entièrement tricotées à l'endroit. Donc, petit rappel. Normalement, vous commencez le point mousse. Pour celles qui ont fait la taille naissance comme moi, quand vous êtes à 48 cm de haut. Pour celles qui ont fait la taille 3 mois, vous êtes à 54 cm de haut. Celles qui ont fait la taille 6 mois, vous êtes à 60 cm de haut. Et celles qui ont fait la taille 12 mois, donc 1 an, vous êtes à 66 cm de haut. Et vous faites encore 2 cm de plus en point mousse, et après vous pourrez rabattre votre ouvrage. Ça, je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on fait. Vous allez voir, c'est assez simple aussi. Et je vais vous montrer tout de suite aussi comment est-ce qu'on fait pour calculer, pour mesurer de où à où est-ce que vous deviez mesurer votre ouvrage pour être bien sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Dès que j'ai fini mon rang, je vous montre ceci. Et du coup, évidemment, pour ce rang-ci, plus besoin de s'inquiéter pour les 3 dernières mailles vu qu'on les fait d'office à l'endroit. Donc la mesure que vous deviez prendre pour savoir le nombre de centimètres que vous aviez, c'était à partir de ici en bas, donc le tout début de votre ouvrage, jusqu'à votre aiguille évidemment. Et là vous devriez avoir donc 48 cm pour celles qui ont fait la taille naissance, 54 cm pour les 3 mois, 60 cm pour les 6, 66 cm pour les 12. Donc voilà, on se retrouve à la fin des 4 rangs de points mousse ou des 2 cm de points mousse en fonction de comment est-ce que vous faites. Et je vous explique à ce moment-là comment est-ce que vous devez rabattre vos points. Les 4 rangs de points mousse sont faits, on va donc rabattre les mailles. C'est la toute dernière étape de l'ouvrage parce qu'il n'y a pas de couture ou quoi que ce soit à faire. Alors pour rabattre les mailles, moi je les rabats comme je les ai tricotées. Donc je suis en train de tricoter à l'endroit sur du point mousse, je vais les rabattre à l'endroit. Je prends donc ma maille, je la passe juste sur l'aiguille, je tricote la maille suivante à l'endroit et puis je viens passer la première maille au-dessus de l'autre. Et j'essaye de faire ça le plus souplement possible pour éviter de serrer mon tricot. Je vais donc prendre la maille qui suit, je la tricote à l'endroit normalement. Et puis je viens chercher la première maille qui est sur mon aiguille, je la passe au-dessus de celle que je viens de tricoter. Encore une fois, donc je tricote ma maille normalement, je viens chercher la maille juste avant, je la passe au-dessus. Et puis je vais chercher la maille suivante, je la tricote,
Je viens reprendre la première maille de mon aiguille, je la passe au-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fini de rabattre la totalité de vos mailles. Et puis après, il vous suffira plus que de couper votre fil et de venir le passer dans votre toute dernière maille pour pouvoir faire un nœud avec. Ça aussi, je vous montrerai dès qu'on a fini de rabattre la totalité de vos mailles de votre aiguille. Le fait de rabattre les mailles, ça demande quand même une certaine quantité de fil aussi. Si vous voyez que vous êtes quasiment à la fin de votre pelote, qu'il vous reste vraiment que quelques centimètres de fil, je vous conseille alors au dernier rang de changer de pelote, de tricoter encore un rang avec la nouvelle pelote avant de rabattre vos mailles. Parce que mettre une nouvelle pelote quand on rabat les mailles, c'est pas vraiment ce qui est le plus pratique. Et puis après, pour cacher le fil, c'est pas non plus si facile que ça. Tandis qu'en le faisant au rang précédent, vous pouvez venir du coup rajouter votre fil ici au début du rang et pouvoir cacher le fil dans le bord du rang. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique plutôt que d'avoir le fil en plein milieu de votre rang à un endroit où ce n'est pas vraiment facile de le cacher. Donc, je rappelle, pour pouvoir rabattre vos mailles, vous prenez votre maille, vous la tricotez à l'endroit et la maille précédente, vous venez la passer au-dessus de la maille que vous venez de tricoter. On tricote la maille, on prend la maille précédente, on la passe au-dessus de celle qu'on vient de tricoter. C'est comme ça qu'on rabat. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rabats toujours de la façon dont j'ai tricoté. Donc, c'est-à-dire que là, comme je faisais du point à mousse, je tricotais tout à l'endroit, je rabats tout à l'endroit. Si je faisais le point qu'on était en train de faire, par exemple, imaginons que j'avais deux mailles en droit suivi de deux mailles envers, puis de nouveau deux mailles en droit, j'aurais tricoté ma maille à l'endroit, j'aurais rabattu une première fois, et puis j'aurais tricoté la suivante à l'endroit, j'aurais de nouveau rabattu, et puis les deux mailles à l'envers, j'aurais fait ça à l'envers, j'aurais tricoté donc ma maille à l'envers et j'aurais rabattu. La façon de rabattre est la même, c'est juste qu'au lieu de prendre votre maille ici à l'endroit, vous l'aurez tricoté comme ceci, donc à l'envers. Et puis, vous repassez votre fil par au-dessus de la même manière que ce que vous êtes en train de faire ici. C'est exactement la même technique. C'est juste la façon de tricoter la maille qui sera différente. Moi, je préfère faire en suivant le point. Je trouve que la fin de l'ouvrage est plus jolie quand on fait comme ça. Certaines personnes vous diront qu'ils font d'office tout rabattre à l'endroit. D'autres vous diront tout à l'envers ou à l'inverse de ce que vous tricotez. Je pense que ça dépend vraiment de vos préférences, de la façon dont vous avez envie de faire. Si vous trouvez ça plus joli comme moi je fais, vous faites comme moi je fais. Si vous n'aimez pas ma façon de faire, vous faites à votre manière. Vous n'avez aucune obligation évidemment de suivre ma façon de faire. Et il n'y a pas non plus de règles en particulier pour ça, pour faire en sorte que votre tricot soit vraiment mieux. Voilà. C'est pas comme si on vous disait de faire du point de blé, vous ne savez pas le faire autrement que de la façon dont on vous l'a expliqué. Voilà, j'arrive quasiment donc à la fin de mes mailles à rabattre. Et je vais vous montrer donc ce que vous devez faire à la fin. Voilà, alors là vous tirez un petit peu sur votre fil. Moi je tire beaucoup parce que je vais faire avec la totalité de la pelote, je couperai mon fil après. Maintenant vous pouvez simplement couper votre fil ici et le faire avec votre fil coupé. Vous pouvez poser vos aiguilles. Donc moi je passe ce qui me reste de ma pelote à travers donc cette énorme boucle que je viens de faire, en tirant sur les bons fils, ça fonctionnera beaucoup mieux. Voilà. Et puis vous tirez simplement sur votre fil et ça vous fait un nœud. Vous allez venir couper votre fil ici, vous prenez une aiguille, vous passez votre fil dans l'aiguille et puis vous allez venir passer votre petit fil ici dans vos mailles de manière à le cacher le plus possible. Ainsi, on ne le verra plus et votre poncho pourra être totalement terminé et avoir une belle finition. Donc voilà le poncho fini. Je vais vous montrer ça de plus haut. Voilà, le poncho fini. Donc ici, c'est avec la laine de Zeman, hein, celui que vous aviez vu au début de la vidéo, ce n'était pas la même laine. Et c'est toujours en taille naissance. Voilà, il ne reste plus qu'à rentrer les fils et votre poncho sera terminé. J'espère que je vous verrai au prochain tuto.